Enfin la civilisation. Ah ben j'ai bien cru que j'étais perdu. Oh, magnifique, incroyable, hein, de deux mâts, voile latine, coque haute, 15e siècle. Oh oui, c'est une caravelle. Oups, excusez-moi. Laissez passer, désolé. Oups. Matelot Hippolyte, à vos ordres, mon capitaine. Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Il est pas commode, le pacha. Ah, d'accord. Le pirate en profite pour arrondir ses fins de mois. Oh, ah, pas mal. Hein. Un peu granuleux peut-être, mais pas mal quand même. Ben, j'ai failli attendre. Bon, ben, je peux y aller cette fois? Bon, écoutez, j'ai pas de quoi payer la traversée, soit, mais si vous cherchez un second, je suis votre homme. Et je m'y connais en navigation, vous savez. Oh, mais enfin... Ah. Quel malotru, vraiment, je... Mais c'est pas possible! Vous êtes un malade! Vous avez vu votre dernier au jardin du Luxembourg ou quoi? Et un peu plus et on finissait tout ça de patresse! Ah, je l'ai vu, des marins d'eau douce, mais des comme vous, ça dépasse l'entendement! Déjà que l'accueil laisse un peu à désirer, alors. Ah, et puis dites donc, ça m'a pas l'air très réglementaire tout ce bazar. Vous savez ce qu'on dit, hein? Matériel non homologué, pas question de voguer! Hein? Pensez si je m'y connais! Des bateaux, j'en ai construit 268! La Santa Maria, ça vous dit quelque chose? Bon, 3228 pièces, 30 tubes de colle, pas une coulure. Bref, zéro défaut. Ça vous embouche un coin, hein? Tenez, vous me faites penser à Albert, un collègue de bureau très sympa, hein? Mais en matière de marine, nul, nul, nul. Attention, quoi! C'est comme ma femme, Nicole, pareil, totalement hermétique, ça ne rentre pas. Ah, je vous jure, avec ces deux-là, je suis pas aidé. J'ai tout essayé pourtant, rien à faire. Tenez, souvent le week-end, nous partons tous les trois au lac de Vassivière pour faire un petit tour en pédalo. Bon, eh bien, figurez-vous que la dernière fois, alors que j'étais branché à la proue du bâtiment pour vérifier le tirando, ils se sont levés, aïe, en pleine manœuvre. Résultat, l'embarcation a pris du gîte. Et plouf, j'ai basculé la tête la première. Nom d'un chancre, tu veux la fermer, ouais? Tais-toi. T'es un fléau, t'es une ruine, une calamité! Mais je... Eh ben voilà, ça va encore être ma faute. Qu'est-ce que je vous avais dit? Matériel non homologué? Écoute, Popeye, c'est toi qui es pas homologué. Tu nous saoules, oh. Tu saoules la terre entière, t'entends? Tu parles tellement que t'en es devenu aveugle. Tu vois rien, t'entends rien, tu sais rien. Tiens, ta Nicole, tu sais où elle est, ta Nicole, hein? Tu sais où elle est? Chez sa mère. Avec Albert! Elle s'est barrée avec ton meilleur pote. Tu passes plus les portes, mon pauvre ami. T'es cornard de la cale à la grand-vergue, t'as compris, là? Attends, c'est pour tout. Regarde autour de toi. T'es où, là, à ton avis? En balade, en croisière, à Aqualand? T'es mort. Mort, t'entends? Mort. Caput. Dead. Finito. Terminé pour toi, mon pauvre ami. Ta femme et ton pote t'ont balancé du pédalo. C'est ton dernier voyage. Attendez! Tu vends, matelot. Tu m'as fait perdre suffisamment de temps, j'ai encore beaucoup à faire. Ouais, je veux bien faire une exception, d'accord? Arrivé sur l'autre rive, je te laisse débarquer et tu disparais, ça te va? Allez, quoi, matelot? Rends-toi utile et prends la barre. C'est vrai? Sérieux?
Depuis quand on discute les ordres du capitaine? Chic, chic, chic. Vous ne vous sentez pas bien? Oh, le mal de mer peut-être. Ah bah vous voyez, je vous l'avais dit, heureusement que je suis là pour vous épauler. Vous imaginez? Vous vous seriez retrouvé ici, tout seul? Pourquoi vous faites cette tête-là?